Salut à toutes et à tous, c'est Viknin, 66, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Final Fantasy 7. Et bah... la dernière fois on s'était laissé, sur ce point de sauvegarde là, vous vous souvenez j'espère, si vous avez regardé l'épisode précédent, si c'est pas fait, je vous invite à aller le voir. Et même si vous avez vu aucun épisode, je vous invite à aller les voir. Et donc on s'était laissé la dernière fois, à pas trop loin d'ici, là, juste au point de sauvegarde, juste après avoir sauvé Aerys... des espions de la Shinra, qui la poursuivait. Et donc on va chez Aerys parce que je crois qu'il faut la raccompagner chez elle. Donc bonjour monsieur, ce type dans le conduit est bizarre. Tu peux lui demander n'importe quoi, il ne répond pas que par. Voyons voir ça. Oui Aerys. Ce type est malade. Il s'est évanoui près d'ici et quelqu'un a dû l'aider. Oui, mais qui c'est? Putain, il y a des clopes partout, c'est horrible. Le voici. Tu ne vas pas lui venir en aide? Écoute, je ne suis pas docteur. Non, c'est sûr. Oh là, cet homme porte un tatouage. Je crois bien que c'était le numéro 2. Numéro 2. Je comprends pas, mais bon. Enfin bref, avançons dans l'histoire. Ah. Wouf wouf, moi aussi, moi. Wouf wouf. Alors, ouh, c'est beau. Il y a une matérielle ici, je vais la choper au passage. Et on dit que les fleurs ne poussent pas à Midgar, hein. Eh ben, éther. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était quoi la matérielle? Je crois que c'était couverture. Ouais, c'est couverture. J'ai pas besoin de cette matérielle maintenant. Allez. Hop, hop, hop. Faudra que j'aille acheter de la matérielle au passage. Hein, pour mes partenaires. Hop, là, on sauvegarde. Tac, tac. Voilà. Je suis de retour, maman. C'est Claude, mon garde du corps. Ton garde du corps? Tu veux dire qu'on te suivait encore? Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais très bien. Claude était avec moi. Merci, Claude. Alors, que vas-tu faire maintenant? Le secteur 7 est-il loin d'ici? Je veux me rendre au bar de Tifa. Tifa? C'est une fille? Oui. Une amie? Ta petite... Claude qui dit ta petite amie? On va dire non, hein. Inutile d'être si gêné. C'est bien. Voyons, le secteur 7, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes? Veux-tu encore prendre des risques? J'ai l'habitude. Eh bah bordel. L'habitude? Eh bien, je ne sais pas, d'être aidé par une fille... Une fille? Que veux-tu dire? Bah quoi, t'es bien de sexe féminin, non? Tu crois que je vais t'écouter après t'avoir entendu dire une chose pareille? Oui. Maman, j'emmène Claude au secteur 7, à tout à l'heure. Mais, j'abandonne. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Il se fait tard. Oui, tu as raison, maman. Aerys, s'il te plaît, va faire le lit. J'aime bien dire « maman » au lieu de dire « maman ». Ah, bon, on va parler à la mère pour voir un peu. Cette lueur dans tes yeux, tu es un soldat, non? Oui, ou plutôt j'étais. Je ne sais pas comment te le dire, mais tu dois partir cette nuit, sans le dire à Aerys. Le soldat, la dernière chose dont t'es besoin Aerys, c'est d'avoir encore une fois le cœur brisé. Ah. Donc elle aurait été avec un membre du soldat avant. Ah, je vais pas vous spoil Crazy Score, hein, les gens, donc voilà. on monte. Oh, il y a un sac là-bas. Tu dois passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 7
Si c'est assez dangereux, alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Oui, madame. Cloud? Oui. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Pardon, si vous avez entendu. Oh. J'ai craqué le cou. Ah. L'air plutôt fatigué, hein? Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah oui? Depuis tout ce temps? Non, depuis tout ce temps. Waouh! Qu'est-ce que c'est? On est où? Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. C'est la sœur ou quoi? Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça m'intéresse pas. J'ai dû m'endormir. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6, je devrais me débrouiller seul. Sors pas. Potion, queue de phénix, ça me va. On va éviter de faire du bruit parce que ça m'est arrivé de faire trop de bruit et que Iris me chope. Donc voilà. C'est bueno, ça passe, tranquillou. On se casse. Oh, j'ai piqué tout dans la maison. De la matériel, il doit y en avoir ici. Le président de la Shinra ne raconte que des mensonges. Mais tout de même, on ne peut pas faire confiance à ce groupe Avalanche ou je ne sais quoi. Tu peux dire ce que tu veux, tu es simplement jaloux de ceux qui vivent là-haut. Alors, à qui faire confiance? À une seule personne. Moi, je ne me mens jamais à moi-même, ça c'est sûr. Ou pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là, ici? Je sais pas, mais bon, on va voir. Maintenant, personne ne le trouvera. Tiroir du haut et celui du bas. Hein? Ouvrir le tiroir du haut. Puis ouvrir celui du bas. Puis ouvrir le tiroir secret. 5 Gilles. Flanque la police! Comme dirait Bob Lennon. Aïe aïe aïe. Comme dirait Bob, voilà. Tout simplement. Putain, j'ai piqué 5. J'ai piqué 5 Gilles. J'ai combien d'argent au passage? 2654 quoi. J'aurais dû lui laisser. Est-ce qu'il n'y a pas de la matéria ici? Peu importe si c'est de la ferraille ou de la matéria, on peut se procurer tout ce qu'on veut ici dans les taudis. Il y a beaucoup de bonnes matérias ici si tu veux jeter un coup d'œil. Ouais. Possession. Feu, glace, restauré. Restauré, j'en ai équipé. En possession. J'en ai aucune de feu qui est équipée. Oh merde, j'en ai acheté deux. Oh fuck. Ah, il faut que j'ai plus assez éléments. Ah, faut que je mette le bijou titan au passage. Équipé. Bijou titan. Voilà, ça me donne un truc en plus, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Là, j'ai restauré foudre. On va mettre. Feu. Ouais, ça devrait le faire comme ça. État. Tout est bon. Élément. Queue de phénix et terre. Pour l'instant, ça va, tout est bon. On peut y aller. Pour l'instant, je suis bon. Oh merde! Elle était réveillée avant nous ou... Je l'ai pas vue de. Cherche pas à comprendre. Tu t'es levé de bonne heure. Comment pouvais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux? Tu as fini? Oh putain, merde. Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7ème ciel de Tifa.
Je vais t'y emmener, viens, au 7e ciel. C'est n'importe quoi, bon. Petite phase de combat pour moi, je pense, là, ça va faire du bien. Donc les gens, on se retrouve tout de suite après, normalement, hein, je vais faire quelques combats avec en votre compagnie, pardon, excusez-moi. Le temps de faire un peu monter Aerys en niveau, et puis voilà, hein, tout simplement, parce qu'on a déjà des monstres un peu plus imposants, là, j'ai l'impression, ouais, même une maison, hein, c'est incroyable, c'est très imposant. Feu, ça fait quoi? Feu, voyons voir. 107, bof. Hop, tombée suicidaire, c'est quoi ça? Waouh, ah, ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est très impressionnant, mais ce n'est rien. Magie, éclair. Ouais, pour le peu de dégâts que ça fait, quoi. Hop. Tac, 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 bam. Je fais du corps à corps, moi. Presse infernale. Je sais pas où ça lui retirait pas mal. J'ai l'impression à Aerys. J'ai pas vu les PV. Hop là. Ah, Cloud Max Limit. Bon, ça sert à rien à ce moment-là, quoi. Enfin, bref. C'est comme le robot qu'on avait tué par derrière en un coup. Ah, donc les gens, on va se laisser... Je vais pas vous laisser ici, je vais juste couper. Allez, à tout de suite. Pendant ce temps, moi, je fais des combats. Oh, tout le monde, c'est Viknin et aujourd'hui... Bah oui, aujourd'hui, n'importe quoi, je suis en train de refaire une intro. C'est le bordel. Enfin bref, j'ai terminé d'augmenter le niveau d'Aerys. Et donc on se retrouve juste... c'est pas loin, hein, là où je vous avais laissé, c'est juste même pas deux cases plus loin, quoi. Et donc là, on va pouvoir continuer l'histoire. Pardon. La porte d'accès au secteur 7 se trouve ici, à l'intérieur. Merci, on se dit au revoir, ça va aller pour rentrer chez toi? Oh non, comment je vais bien pouvoir faire? C'est ça que tu veux que je dise? Je t'emmène au secteur 7. Je pourrais bien faire ça, mais je ne vais pas te déranger. Qu'est-ce que tu veux dire, me déranger? Rien. On peut faire une pause? Ouais. Au passage, j'ai mis de la matéria pour Aerys. Au passage, j'ai même pas vu combien j'ai d'argent. Putain, j'ai récupéré mon pognon rien qu'avec tout ça. Aïe, aïe. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Qui? On va pas chercher à comprendre, hein, sérieux. Cloud, par ici! Ok. Ne marche pas sur la main! Tu étais en quelle classe? Seconde 6! Classe? Tu sais bien, dans le soldat. Ah, j'étais... en première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Non, mais on s'entendait assez bien. Ouais, c'est ça, tu l'as juste envoyé 82 lettres. Hein. Je l'ai probablement connu. Comment s'appelait-il? Ce n'est pas vraiment important. Chocobo! Cloud? Entre parenthèses, hein? Et là-bas? Hé, hey, là-bas! Tifa! Sans déconner, c'est Tifa? Qu'est-ce qu'il faut appuyer comme ça? Elle fait mon deuil. Cette fille dans la charrette, c'était Tifa? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait l'air bizarre. Attends! Putain, j'ai pas fait planter le jeu. Ah non. Je vais continuer tout seul. Rentre chez toi. Si, j'avais fait un peu planter le jeu en fait. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Attends, c'est quoi ça? Parce que je viens de voir qu'il y avait un truc ici. Je sais pas si on peut y aller.
Non, on peut pas. Mais je sais pas ce que c'est. Allez hop, let's go. Hop là. Ah, ça a l'air très commercial tout ça. Quoique, ça fait un peu flipper. Cet endroit a bien des raisons de faire peur. Surtout à une fille, on doit donc retrouver Tifa au plus vite. Oui, madame. Remarque, c'est moi qui la charge depuis le début. Hé hey, là, vous deux, pourquoi ne pas prendre un peu de repos? On a une très jolie chambre, qu'est-ce que vous en dites? Non. Pour te mettre le coup. Le beau. Non, comment on peut dire? Pas le guac, parce que ça c'est du bob, les nonnes, je crois, voilà. Là, ça doit être vers là-haut, qu'elle doit être Tifa. Ah, machine gun, j'irai après. J'ai sûrement d'autres objets. Hop là. C'est le manoir de Don Corneo, c'est un type important ici à Walk Market. Écoute, Don ne s'intéresse aux hommes, pas aux hommes, alors fiche le camp d'ici. Ok. Genre le gars désespéré, je veux juste parler à Don Corneo. Si, senior. Enfin bref. Acheter. Bâton de mithril. Wouh. Il y a des bons trucs, bijoux. Cercle de mithril. Alors pour toi, Iris, je vais t'acheter ça. Les points métalliques sera pour Tifa plus tard, dans le futur. Fusil d'attaque, je l'ai déjà. On va acheter 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on va acheter... Non, 4 cercles de mithril, ça ira. On va commencer à les équiper maintenant, au passage. Équiper, tac-tac, cercle de mithril. Matériel, n'importe quoi. Tifa non plus, je l'ai. C'est n'importe quoi. Bijoux titan... Non, c'était pas bijoux titan que je devais mettre, c'était bijoux de mithril, je crois. Enfin, cercle de mithril, voilà. J'ai mis quoi, là? Glace, on va lui mettre feu. Glace, feu. Oh, je suis con. On va lui mettre foudre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Faudra que j'achète de la matériau au passage. Mince, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce qu'elle peut être? Où est-ce qu'elle peut être? Par là, peut-être. On va sauvegarder avant. C'est toujours bon de sauvegarder. Do you want to save now? Yes, I want to save now. Oui, télécharge. Putain, il m'a pas trouvé la sauvegarde. Oh, l'enfoiré. Enfin bref, on doit continuer en bref. Ah, sans sauvegarder. Ça va être chiant. Enfin, pas chiant dans un sens, mais oula, il y a de la Shinra, il y a de tout. Lui, je le connais. Il était à dans le secteur 7. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Le Honibi Inn est un club privé. Seuls les membres peuvent y entrer. Oust. Bienvenue, même des nasses comme vous peuvent trouver leur rêve ici. Tu cherches aussi une petite amie? Connaîtrais-tu Tifa? Hé, hey, t'es rapide toi, Tifa c'est la toute nouvelle. Quoi? Mais malheureusement elle est en plein entretien. Ici au Honibi Inn, on a l'habitude d'emmener toutes les nouvelles filles à la demeure de Don Corneo. Don Corneo est un célèbre dilettante. Maintenant, il veut se ranger et il se cherche une épouse. Gudon, tu vas mourir. Non, pas question, je ne peux pas continuer. Ça ne peut pas marcher. Il y a trop de différence entre nous. Entre un club et toi, oui. Toi, tu n'es qu'une seule personne. Et tes puceaux. Mais c'est violent, quand même. Allez. Don Corneo. Être par là. Enfin, ça doit être par là, c'était ici. Ah, il va y avoir une... Hé, hey, tu en as une mignonne avec toi. Hé, hey, on dirait le manoir de Don... Je vais y aller y jeter un oeil. Je vais chercher Tifa. Cloud, non, c'est impossible. Enfin, pardon, Cloud, c'est... Voilà. Pourquoi? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Mais alors, que suis-je supposé faire? Tu veux venir avec moi? Eh bien, en tant qu'homme, ce serait plutôt difficile de... De plus, si je fais irruption ici, ça risque de poser de nombreux problèmes. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais je ne peux pas te laisser y aller seul. Dilemme.
Tout d'abord, nous devons vérifier si Tifa va bien. Qu'est-ce qui est si drôle à Iris? Claude, Cloud, pourquoi tu ne te déguises-tu pas en fille? C'est le seul moyen. Quoi? Même moi, je quoi? Attends, j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner. LOL, mais non! Non, je veux pas rentrer là-dedans! Ah, Iris, c'est impossible! Tu t'inquiètes pour Tifa, n'est-ce pas? Alors viens, dépêche-toi! Oh putain, non, je vais... Claude Travesti, ça va être n'importe quoi! Sans déconner, sauvez-moi! Faut trouver une solution. Enfin bref. Pour se déguiser en fille, il faut un costume de fille. Oula, les temps sont mauvais. Je te dis pas. Je dois me travestir. J'aurais dû rester sur Street Fighter. Enfin bref. C'est parti. S'il vous plaît, je cherche une robe. Ça va peut-être prendre un peu de temps, c'est pas grave. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le patron, qui est mon père, n'est pas au mieux de sa forme ces temps-ci, et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il? Il est probablement cloué au bar. Donc si je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre père. C'est ça, je suis désolé, il nous a tellement posé de problèmes. Quoi? C'était quoi le point d'exemple? Vous pourriez m'aider à le ramener? Bah, si on ne fait rien, il n'y aura pas de robe, c'est ça? Vraiment? Je vous en supplie, aidez mon pauvre père, je ne sais vraiment plus quoi faire. Moi, je sais. D'accord, on va faire quelque chose. Allons-y, Cloud. Mais tu déconnes! J'ai pas envie de me travestir, au secours! Enfin bref, on va voir Cloud travesti, ça va être bueno! Et non, en fait, je me dis, ce sera horrible. Bonjour, c'est vous le père? Pardon, seriez-vous le père de la fille du mag... C'est une fille? De la fille du magasin de vêtements? Le magasin de vêtements est à moi, mais je ne suis pas votre père. Monsieur, je vous ai dit votre fille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Des vêtements, vite. Je ne fais pas de vêtements masculins. Je ne fais pas de vêtements masculins d'ailleurs. Je n'ai rien envie de faire pour le moment. Cloud, attends là un instant, je vais essayer de lui parler. Pourquoi tu n'irais pas là-bas boire quelque chose? Blablabla. Voilà. Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois il aimerait se déguiser en fille. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Tifa, sans déconner? Alors je voulais lui trouver une jolie robe. Sans déconner, quoi? Quoi? Ce type baraqué en fille? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui en ferez une? Oh non, non, non! Ça pourrait être intéressant, je commençais à me lasser de ne faire que des vêtements classiques. Donc vous allez nous faire ça? Oh putain, non, 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 non! Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de robe? Alors quelque chose qui donne une impression de propreté, qui donne une blablabla, je sais pas. Propreté, on va dire. Aussi quelque chose qui chatoie. J'ai compris, vous savez, j'ai un ami qui a le même goût que... Qui a les mêmes goûts que lui. Je vais à lui parler. Et tu recommences à boire un coup. Mon ami, c'est l'alcool. Moi, c'est le coca. Sans déconner. Enfin, bref. Maintenant, on peut peut-être aller parler à la gérante du magasin. Parce que c'est une fille, apparemment. J'avais pas remarqué. Sans déconner. Est-ce qu'on dirait une fille? J'ai l'impression que tout s'est passé à merveille. Il n'a pas arrêté de travailler à la robe depuis qu'il est arrivé. Donc, si c'est une fille, putain, merde. Eh, ne pousse pas, malotru! Je fais ce que je veux! Enfin bref. Ah, tu es ici, c'est prêt, vas-y, essaie. Quoi? T'as déjà fini? Élément clé, robe en coton. Oh shit. Ça sent pas bon. Comment on fait pour enfiler ça? Oui. Cloud, stop. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore ça, une perruque. Oui, c'est ça, c'est ça qu'il te faut. J'y avais pensé, j'en ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase, vous y trouverez plein de gens comme vous, allez leur parler. Ah, putain, je l'ai pas mis. Ah, c'est pas encore, ça va. Comme nous?
Iris, qu'est-ce que tu as l'air lui raconter? C'est important. L'essentiel, c'est qu'on ait une jolie robe. Ouais, mais... c'est la merde, quoi. Enfin bref, on y va. Gymnase, c'est là. Mais, comme on dit, quand on fait un travail, on doit le faire vite, bien. Oula, merde. Je connais ça, ça va être chaud. C'est toi qui veux devenir beau? Pourquoi devenir beau? Embellir. Embellir? D'accord. Et pour la perruque? Ouais, j'ai entendu ça, mais ça va te coûter cher. Big Bro, tu ne pourras t'embellir que si tu arrives à battre Big Bro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu dois te mesurer à nous. T'as raison, tout s'accroupit. Ok, on va te détruire, réduire en poussière. C'est toi? Le superbe bro? Le superbe bro? Quoi, tu ne le savais pas? Tu cours dans tous les sens en mettant du Big Bro à toutes les sauces. C'est pas grave, viens par ici. Ouais, bodybuilding de merde quoi. Non, je vais t'expliquer les règles. Lorsque tu es prêt, appuie sur changer. C'est quelle touche? Ins. Puis accroupir, c'est annuler, c'est C. Et la touche, ok. Donc c'est dans l'ordre, changer, annuler, ok. Tac, tac, tac. Tu as compris ou... ouais, bof. Alors je vais recommencer. Voilà, c'est bon. C'est bon, on va faire... Je ne vais pas perdre, la perruque de Big Bro est à moi. Silence. C'est pas juste si tu commences tout de suite, alors... tu veux t'entraîner un peu. Alors commence à t'entraîner, ouais. Merde. Bah, c'est quoi le truc? Ah, c'est un cerf, je suis con. Ouais. Ça passe. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. J'ai l'impression d'être sur Crisis Core en fait. On faisait ça aussi sur Crisis Core, c'était pas mal. Bon, après, c'était un exercice. Tu en as fait 12. Ouais, ça va. Putain, il m'a devancé déjà. Concentration. Allez. Il s'est accroupi 14 fois et toi 19 fois. Quoi? Sans déconner? Bon sang. Ok, je suis un homme de parole, tiens. T'es un homme, toi? Putain, mais... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais même pas. C'est qui le mec? C'est qui la fille? C'est n'importe quoi. Big Bro, je deviens fou. Vraiment fou. Oh, mais comment il termine? C'est une grosse baffe de fou, ça. Tais-toi, ne crie pas juste parce que tu as perdu, loser, va. Les peaux en acier de bro réduit en poussière. Bienvenue au club. Tu veux essayer avec ça, ça avec nous? Non. Je voulais essayer, mais ça a pas marché. Allez, fight! Faire le travail très bien. Comment on pourrait... Comment bien se déguiser en fille? On a la robe, on a la perruque, mais c'est pas suffisant. C'est une fille, c'est pas seulement un corps et des perruques. Et une perruque, pardon. Oh putain, merde. Oh là 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 là, je sens que je vais avoir toutes les filles sur le dos. Quelle abruti d'avoir dit ça. Ah non, une fille, c'est pas qu'un corps et qu'une perruque. Oh non. Oh non! Je m'excuse auprès de la communauté féminine, je n'ai rien dit, on va oublier ça, j'ai mal articulé. Excusez-moi. Oh putain. Désolé. C'était pas volontaire, sans déconner, c'était pas volontaire. Aïe aïe aïe. Enfin bref. Soyez les bienvenus, prenez place. Ouais, bon, je vais manger un coup parce que un héros doit manger. Prenez place, je m'assois. Alors qu'est-ce que je vous sers?
qui me fait la spécialité du jour, le barbecue coréen. Ah, quoique, ça dépend, en Corée du Nord ou Corée du Sud? Ah, assiette de sushi. Ah non, bah spécialité du jour, vas-y. La spécialité du jour, cling, cling, cling. Allez, chaud devant. Il faut d'abord payer, ce sera 70 giles. Pff, ça va. Merci, un instant. Bon. Oh putain, vous faites vite la cuisine, hein. Si c'était comme ça dans tous les restos. C'est quoi? Et voilà, bon appétit, mais c'est quoi? Ah, c'était le plateau, ça. C'était bon. J'ai déjà goûté à de la meilleure nourriture pour chien. Oh, bitch! Oh, si je dis ça, c'est... Ce serait bien, mais bon, on va dire c'était bon. Voici un coupon d'achat pour la pharmacie. Vous pourrez l'échanger là-bas contre un article. On n'a plus de coupons, alors on n'en donne plus, mais on aura d'autres promotions. Ouvrez l'œil. Élément clé, coupon. Ok, coupon. Donc, si on a un coupon ici, la pharmacie, où est-ce qu'elle est? La pharmacie, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on obtient à la pharmacie? Waouh! Pourquoi tu restes là sans rien dire? Ah, tu as un coupon. Choisis le remède que tu veux. Désinfectant, déodorant, bicarbonate. Bicarbonate. Fais quoi? Désinfectant. Voilà. Élément clé, désinfectant. Parce que de la bicarbonate... Ouais. Je crois que c'est un truc chimique très dangereux, la bicarbonate, en fait. Donc, on a... J'ai eu l'élément clé. J'ai eu l'élément clé. C'était quoi? Du désinfectant. Il me semble avoir vu quelque chose de au bar qui m'avait tapé à l'œil. Lui là, voilà celui qui est dans le coin. Hey, tu pourrais me rendre un service? Quelqu'un est resté là-dedans toute la journée sans s'en sortir. Je ne tiens plus. Bah, il a la chiasse, c'est tout. On va lui donner. Hey, il y a quelqu'un à l'intérieur, il ne faut pas regarder. It's a girl. Kirk, donne-lui un cachet. Tu vas vraiment m'en donner? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, bien. Ça ne m'a rien fait du tout, mais merci quand même. Tiens, c'est pour toi. Du parfum. Wow, shit. Ah, liberté! Le gars, il est en train de dire ça, vous imaginez? Voilà. Mon clavier était en train de bugger, c'était n'importe quoi. Tac, merci de me laisser passer. Voilà. Quoique, ce restaurant, j'irais bien là-dedans, il y a du saumon. On a du parfum, on a de la robe, on a la perruque, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Peut-être des bijoux, hein. Dis, un instant, on peut se parler d'homme à homme? Ouais, d'eau. Qui a-t-il? Vraiment, je te suis reconnaissant. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous vous retourner un instant, s'il vous plaît? Pourquoi? Aéris. Ça alors? Désolé, mademoiselle. Putain, il m'a fait un clin d'œil, le gars, ou quoi? Voici ce qui se passe. Tu connais ce distributeur à l'auberge? Non. Je voudrais bien savoir ce qu'ils y vendent. Je ne peux pas demander à une fille d'aller me chercher ça. Quoi? Pourquoi je n'irai pas moi-même l'acheter? Eh bien, en fait, j'ai dû me battre avec le gars de l'auberge et je ne peux plus y mettre les pieds. Allez, qu'est-ce que t'en dis? J'y vais, ok. Bien, merci. J'attendrai ici que tu reviennes. Fini? Ouais, fini. On va à l'auberge. L'auberge. C'était au début, ça, l'auberge, en fait. Venez dormir à l'auberge. L'autre, il m'a interpellé comme ça dans la rue, comme ça. Wesh! C'est bon. Ça doit être là. Je passe une nuit. Parce que comme... Ah, c'est sérieux? Achète celui à 200 giles. Bah, si on peut avoir un bon truc, hein, sans déconner, on achète tout ce qui est cher. En même temps, ça récupère tous les HP et MP, c'est bueno en même temps, vous allez me dire. C'est bon, merci beaucoup, n'hésitez pas à revenir. Je sais même pas ce que c'est l'élément clé. On va voir ce que c'est. Attendez, on peut pas le voir dans l'inventaire? Élément. Bijoux de fer, grenade, fusil, antidote. Non, on peut pas. Allez. On va voir ce gars-là. Je l'ai. Vraiment? Ouais! Waouh! Alors c'était quoi?
Pardon. Un kit de boissons aux protéines. Quel idiot, je vais faire mieux que lui, ça va lui donner le vertige. Merci mon pote, ça m'a motivé. Prends ça, c'est pas beaucoup. Mais ça va m'aider quand même. Élément clé, diadème de diamant. Ouh, putain! Diadème, carrément! Enfin, je sais. Il me semble qu'un diadème, c'est quelque chose de pas mal, hein, donc... Si c'est un diamant plus... non, je n'arrive vraiment pas à prendre une décision. Tiens, prends ça, tu ne pourras pas rentrer sinon. Mais entrer où? Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah, oui! Il est vers là, donc oui, entrer ici. D'accord. Par contre, j'ai peur. Peggy 18, à partir de là, hop! Et ce ne serait pas une carte de monde que je vois là dans ta petite main? Alors, entrez, je vous prie. Oh putain, bordel. Tu peux les tromper comme... tu peux les tromper comme ça. Oh, allez, allez, casse-toi. C'est donc comme ça que tu les as... Que tu les as eus. Clin d'œil. Allons-y. Ah! Pouh, je veux dire... Dépêche-toi. Quoi, dépêche-toi? Choisis une chambre. Il est tellement bizarre, ils le sont tous d'ailleurs. Sans déconner. Choisis une chambre. Une chambre, une chambre. Ah! Pouh, je veux dire, dépêche-toi. Mais t'as vu ce que j'ai vu? Bon, on entre à nos risques et périls là-dedans. Voir s'il n'y a pas d'objet. Yata! Regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas. C'est bon, y'a rien. Pouh, je veux dire, dépêche-toi. Hein? Y'a quoi ici? Chambre de... Putain. On dirait qu'elle est vide. Tiens bon. Ouais. Chambre des amants. On dirait que cette pièce est utilisée. On jette un œil. Oh là là. Whiz. Ok. Phew. Qu'y a-t-il, papy? Tu n'arrêtes pas de soupirer. Papy? Tu sais, mamie. Quoi, mamie? C'est quoi? Qu'est-ce que... Tu parles de cette pièce? Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ouais, je sais que notre fils nous l'a loué et tout ça, mais c'est trop beau pour nous. Un grand lit rond, une super baignoire, je n'arrive pas à me sentir à l'aise. What the fuck? Ne t'en fais pas, c'est un quartier huppé dans la grande ville. Si tu continues à te plaindre, nous aurons des ennuis. Mais what the whiz? Pouh, je veux dire, dépêche-toi, qu'est-ce que c'est ici? Chambre de la reine, on dirait que cette pièce est utilisée. Merde. Bon, allez, on va prendre celle-là. Chambre 2, on dirait qu'elle est vide. Je pense que je prendrai celle-ci. Maintenant, il ne nous reste qu'à entrer dans la pièce. Tu ne vas pas te changer? Ne m'oblige pas à me répéter. Oh, je ne m'en veux pas. Mon Dieu, le type est violent, c'est sûrement lui. J'ai peur, les gens. Sans déconner. D'accord, s'il te plaît. Et si c'est piqué, si c'est trop violent, je change, hein. Enfin, je change pour vous, hein, pour vos petits yeux, parce que... Oh, les chiens. Si jamais ça tourne au vinaigre, je coupe. Y'a rien ici. C'est quoi? Cloud, que fais-tu dans un endroit comme celui-ci? C'est ce que je veux te demander. Tu penses que je dois traîner ici? Oh mon Dieu! Ah, un fantôme! Tu crois qu'il suffit de penser au problème pour les résoudre? Qu'est-ce que... Oh non! À l'aide, vite! Qu'est... On ne peut rien changer en restant tranquillement assis à regarder. Claude, que dis-tu? Ça a commencé à bouger. Quoi donc? Réveille-toi! Mais what the fuck? Je suis pas mort. Frotte, 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 frotte. Boum, toc, boum, toc. Pouic, pouic, squish. Le HPMP de Claude est rétabli. Réveille!
Je suis soulagé. Vieux, j'ai entendu que tu t'écroulais. Non, 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 ne sois pas aussi crispé, hein. On dit que la jeunesse est à la fois très longue et très courte. Il faut que tu tentes ta chance au mieux pour ce qui se présente. C'est l'heure, salut vieux. Oh bah merci de m'avoir sauvé la vie, sans déconner. M'a sauvé la vie, Lucas ? Je suis vraiment navré, il y a tant de choses d'adulte. Tiens, ça ne te ferait pas plaisir, mais prends ça, s'il te plaît, d'accord ? Lingerie. Quoi, ce chiffon pour moi, je ne comprends vraiment pas. Merci de m'avoir sauvé la vie. On peut plus, c'est bon. Oh mon dieu. Allez, Riz, tu t'en sors ? Eh monsieur, c'est bientôt l'heure de la fermeture, alors n'oubliez pas de reprendre vos affaires. Oui, oui, je reprends. Eh, hey, Cloud! Oui, Iris est complètement buggé. Iris, merci pour la fleur et un gil. Je vais la garder précieusement, je vais la faire sécher et la garder. Elle me porte bonheur. On va pas réfléchir. Enfin bref, je crois qu'on a bientôt terminé. De toute manière, l'épisode, on va se travestir. Et ensuite, on se quittera devant le manoir de Don Corneo. De Don! Voyons voir ce que ça donne. Voyons voir. Tout a l'air prêt. Comment elle te va? Suspense! Tu ne vas pas te changer. Ok, je suis prêt. En espérant que ça marche. Mon dieu! J'ai peut-être trouvé un nouveau créneau. Ouais, tu as raison, on essaie. Merci de nous avoir montré autre chose. Mon père a trouvé une nouvelle motivation. C'est donc la maison qui offre la robe. Marche de façon plus gracieuse comme ça, mademoiselle Cloud. Qu'est-ce que tu veux dire par gracieuse? Oh, vous êtes si mignonne, mademoiselle Cloud. Mais ta gueule! Ah, j'en veux une. Est-ce que vous avez une qui m'irait bien aussi? Celle-ci? Qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Celle-ci est beaucoup mieux. Non, qu'est-ce que tu racontes? Celle-ci est plutôt... Je veux celle-ci. Voilà, c'est tranché. Hein? Je vais me changer. Oh, hein, pauvre Cloud. Ne regardez pas. Qu'est-ce qu'on allait... On n'allait pas regarder, hein. Alors, j'ai l'air de quoi? Ça va, ça te va bien. Oh, t'es pas drôle. Ça fait peur! Au secours! Ah, sans déconner. Je vais sauvegarder les gens, on se retrouve devant le manoir et on se quitte là. Aïe. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Enregistrer, téléchargement... Ah bah voilà, la sauvegarde, elle est là. Effectuer... Oui. Donc sur ce, les gens, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode-là très travesti. C'était horrible, hein, sans déconner. Je crois que cet épisode est l'épisode Peggy 18. Non, Peggy 18. Comme ça, voilà. Et donc, les gens, comme on est au manoir de Don Corneo, je vous dis bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce vert qui arrange tout, hein. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne continuation et bye, les gens. Oh yeah. When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift, everlasting.